Ouais. Tu reconnais pas le client. Ah mais attends, j'en vois... Voilà, s'il part, il faut s'enlever le courant. Hein. Ouais. Tu as vu? Ouais. Sans avoir l'habitude des tracteurs, il se lance, lui. Rien. Tu vois, à la barre niveleuse, tu enlèves un peu de pression et tu l'as plus. Tu diminues la terre que tu envoies sur les bords. Comme il creuse moins, il va pouvoir prendre des virages avec. Mais tu vois, le troisième point, j'ai peur qu'il soit sorti complètement. Ça va? Ouais. Il va falloir ramener un peu. Hein? Il va ramener un peu. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il allait trop profond, quoi. Ça, à moins qu'il veuille tirer des morceaux. Ouais. Mais bon, il enlève, hein, c'est comme ça. Un Rottweiler. C'est déjà pas du tout le même terrain là. Là il y a plus de la terre. Là je sais pas comment il va s'envoyer là-bas mais ça. Je vais porter des machines du côté de. Comment ça s'appelle là-bas? Là, les monts du Lyonnais, tu vois, de l'autre côté là-bas. Par contre, là, tu vois, il aurait un troisième point hydraulique. Il allonge le troisième point pour suivre les mouvements. Oh, c'est une option, apparemment, ça l'intéresse. Ouais, tu peux. Tu peux venir, hein. Le rouleau il abîmera pas si tu passes au bord. Hein. C'est le compte, hein. Ah. Alors, il aurait fallu juste le rouler avec le rouleau pour faire plat. Les vers de terre, si tu as des clients qui sont bio là, tu les vois? Les vers de terre? Ça les abîme pas. Ça les coupe pas, ça tourne pas vite, tu vois, le rotor. Ouais. Tu n'es pas obligé de mouliner plein pot comme avec d'autres machines, tu vois? Ouais. Voilà. Sinon, il touche par terre.
c'est exactement maxi. Les pécales, les canines passent bien dedans, ça finit bien derrière. Sur un terrain comme ça, ouais. Travailler aussi profondément. Ben pour arriver à niveler, il y en a des beaux dedans. Tu as vu les cailloux qu'il y a dedans ? Il ne s'emmerdera pas pour derrière, pour semer et tout quoi. Après tu peux travailler moins propre.